Le Salon international du patrimoine culturel s'est tenu durant 3 jours à Paris, au Carrousel du Louvre. Avec ses 250 exposants, le Salon des professionnels et passionnés du patrimoine a pu présenter toute une pléiade de métiers de l'artisanat, souvent en vue de disparition, bien que très recherchés et toujours indispensables. À Saint-Julien, il n'y a plus que 3 ganteries qui fonctionnent. On en a eu plus de 150 après-guerre. Les gantiers de Saint-Julien sont recherchés par les grands couturiers parce que cette qualité du travail permet ensuite, pour les défilés, d'avoir vraiment des gants de très bonne qualité et adaptés aux demandes des designers et des couturiers. Malheureusement, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de transmission du savoir-faire. Le patrimoine culturel, c'est une affaire de passionnés. Et la demande reste très importante dans ce domaine, à qui sait faire ses preuves. On sensibilise les étudiants au mobilier, aux objets d'art et à la peinture, ce qui permet une polyvalence en sortant de l'école et leur permettra, si vous voulez, de travailler dans les salles de vente, dans des galeries, dans des institutions telles que des fondations artistiques ou même dans les banques, hein, où il y a le système du mécénat au niveau de l'art contemporain. Elle regroupe une 15aine de propriétaires d'abbayes viticoles, qui sont des propriétaires privés et qui exploitent des vignobles qui étaient cultivés par les moines cisterciens et les chartreux. Et en fait, aujourd'hui, toutes ces abbayes sont l'héritage en fait, de ce passé cistercien et les vignes sont toujours exploitées. La valorisation du patrimoine culturel est une mission de tous les instants et universelle. Une manière d'aborder le tourisme de façon responsable et active. Tout le monde connaît le patrimoine naturel de la Corse, nos plages, nos montagnes, nos forêts, mais peu de gens savent que nous avons de très belles églises romanes, de très belles églises baroques, de très beaux sites archéologiques, des chapelles à fresques, des panneaux peints du temps de la Renaissance. On a tous ces aspects-là et personne ne le sait. Donc on s'est dit que c'était important pour nous de venir ici. Il Perù è il paese che rappresenta il 70% del patrimonio archeologico sudamericano e quindi ci sembra giusto che ci siano questi contatti così importanti. È la prima volta che Méditerranée, donc Europe, Asie, Afrique, ensemble, si uniscano al Sud America in un accordo di collaborazione e di promozione territoriale così importante. Vous souhaitez voir du pays? Le Salon international du patrimoine culturel est votre rendez-vous avec le tourisme culturel à Paris. Los restos culturales y el patrimonio cultural que tenemos en el Perú, sobre todo en el norte que no se conoce. Gracias.